Salut à tous, on se retrouve sur Project Ozone 2. Donc, la dernière fois, on avait fait tout ce qui était sur Gamma. Donc, toute cette partie de transfert avec le QED, avec les lasers, on les a fait aussi. Il nous restait que les Under Quarry World Upgrade. Bah, tout ce qui est upgrade en fait. Mais j'ai regardé un petit peu et en fait. Bah, c'est pas possible pour l'instant. Comment on appelle ça? Upgrade, non? Under. J'ai trouvé ça tout à l'heure direct. Ah oui, Quarry, c'est vrai. Donc, déjà pour la Speed 3, il me faut deux pioches en diamant avec FN65. Et en fait, bah, ça il me faut Seal Touch, ça il me faut Fortune, et ceci il me faut FSN. Et là il faut un bucket. Bon, ça c'est pas encore compliqué, mais c'est des enchantes en fait spécifiques qu'il faut, qui va être un peu plus compliqué parce que je pourrais les faire les enchantes avec avec ça, avec les essences. Donc là pour FSN6 c'est un bouquin avec de l'expérience autour et on peut se faire Fear Flame, Seal Touch, Fortune, Unbreak, Protection, Fear Protection, Blaze Protect, Feather Falling, ouais, Respiration, Thorns, Aqua Infinity. Et en fait, chaque truc, on pourrait se les faire en fait à la suite. Mais il me faut des essences. Donc juste avant de commencer la vidéo, j'ai mis deux seeds ici d'expérience. Donc j'en ai fait une et puis je les ai dupliquées. Et là j'en ai une ici en 1-1-1 pour l'instant. Histoire de commencer avant de la faire monter en 10-10-10. Donc ça on va pas le faire maintenant. Donc on va faire Delta. Donc Delta, à quoi ça consiste? C'est de faire tous ces trucs-là, toutes les machines en fait de Under IO, je crois, et de Thermal Expansion. Et je pense que c'est ces deux seuls modes-là qui sont ici, à peu près. Donc, Enchanting. Alors, Enchanteur de Under IO. Donc, du Dark Steel, un book. Ça va pas être très compliqué, je crois que j'ai tout. Ouais. Ça, il me semble que Feather Falling, Respiration Project, Thorns, Aqua Infinity, Sharp Knight, Knockback, Ban of Anthropoid. On va recommencer, on est au 6 je crois. Sharpness, Knockback, Ban of Anthropoid, Looting, Fear Aspect, Efficiency avec de la Redstone. Ah, Seal Touch. Et ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Ah, il va me falloir beaucoup plus d'expérience. Parce que Fortune 2, il faut 22, j'ai vu là. Ouais. Ouais. Oh, bah, il me l'a absorbé en dessous. Bah, il y a soit ça ou soit l'autre. Je pense que je ferais plus l'autre que ça. Parce que niveau XP. Ça va pas être cool. Alors deux réservoirs. Ok. Hop. Réservoir, c'est un chaudron et deux. Pas bah, parfait. Ça les faisait deux par deux. Ok. Alors ça, je m'en suis jamais servi.
Collecte sunlight to process. Ok, photovoltaïque. Photo. Il me faut les deux, je pense. Ouais, il faudra cela aussi. Ok, alors ça, c'est quoi? Alors ça, j'en ai pas. Il me manque quoi? Des dalles. Oh. Du bois, c'est du bois, Maurice. Oh. Alors ça, on va faire juste. Hop, hop. Voilà. Alors. Oh bah ça, il manque quand même. Ah oui. Ça. Il me manque du fuse. Du fuse. Du fuse. C'est du quartz. En bas. Toc, 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 toc. On pourrait un peu plus vite quand même. Allez Maurice. Tu m'en fais un petit peu s'il te plaît. Ça m'en fait combien? Je crois que ça m'en fait 3. Ouais. Ça coûte hyper cher en quartz. Donc on peut l'enlever. Ça aussi. Ça coûte hyper cher en quartz. Donc ça, c'est avec des doubles. Est-ce que j'ai des doubles? Non, j'en ai qu'un. Ouais. Que j'en ai encore assez. Yes. Non, c'est pas lui. C'est celui-là. Alors, ça. Je l'ai laissé en attente. Ouais. Ah, c'est pas des. Hein? Ah, attends. Ah non, c'est des Enlighted. Oula, c'est quoi ça? Avec du de la glowstone. Ok, donc quartz et glowstone, quartz et glow là dedans. On va mettre ça comme ça. Yes, et tant que ça cuit, ok. Et ok, ouais. Rien daté récent. Donc ça, on ne l'a pas pris. On va le prendre. Auto. Ok. Ça, c'est bon. Et là, on peut jarter ces deux trucs-là et mettre ça. Ok. Ok, je sais pas à quoi ça sert, ça génère du courant avec le soleil. C'est un style de panneau solaire, d'underrayo, je pense. Artificial, je m'en fiche un peu. Hop. Alors. Un basic capacitor, ça. Ça va être simple. Il m'en faut les quins. Yes. Un capacitor banque de tiers 2. Alors, le tiers 2, c'est celui-là. Il me faut des doubles. Et des doubles, j'en ai pas, donc je peux refaire un simple. J'ai pas de simple non plus. Hop, on va refaire un simple pour faire un double comme ça. J'ai les 100. C'est ça l'inconvénient en fait, c'est que ça dit pas que je l'ai encore en stock alors j'en ai encore un. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop, moi ouais, je mets tout dedans, c'est pas grave, je prendrai après. Donc après j'ai ça. Donc ça, j'en ai pas. Ok. Ça, je peux en faire vibrante. Ah si, j'ai du vibrante. Il m'en faut qu'un.
Alors ça, on peut le foutre là-dedans, on s'en fiche. Des octanes, c'est ça. Et ça, c'est ceci. Et ceci, et... Ah. Ceci, et comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va faire 16. Parce que j'ai un doute sur la quantité. Hop, ça en fait 16. Et ça en fait 2 et 4. Voilà, au pire, comme ça, je serai pas en manque. Ok, donc j'ai un deuxième capaciteur banque. Est-ce que je le mets avec? Je crois qu'ils se fusionnent entre eux. Ouais, voilà, là ça va remplir jusqu'à 1 milliard des rêves. Là, je crois que les deux sorties sont, je sais pas, je vois pas la l'autre. Voilà, là, on input, donc hop, non, pas un insert, on extract. Ok, ça avait vidé le tuyau, donc ok, donc ça c'est cool, donc ça on va pouvoir le claim aussi. Hop, je vais juste reprendre ça parce que ça je ne laisse pas de temps. Ok, et ok, ouais. Alors, donc là on va faire toute la partie droite, hein, si vous n'avez pas compris ce que j'étais en train de faire. Donc les conduites pressurettes fluides. Donc. Ça s'écrit pas comme ça. Alors, ça s'écrit comment? Comme ça. Du science quartz avec ça. Ouais, ça, je pense qu'il y a moyen que j'ai. Ouais. Et du under fluid, yes, c'est ça. Ça vibrante, ok, j'ai. C'était pas les deux plus compliqués en vrai. Quand t'as les matériaux pour le faire, ça va assez vite en vrai. Donc ça c'est cool. Alors, the vat. Le VAT, c'est simple aussi, c'est pas compliqué. Ça, il m'en faut deux, ça, il m'en faut de la glace normale, ok. Je suis en train de chercher, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Alors j'ai tout utilisé. On va en faire un peu. Ça. Et le reste, normalement, j'ai. Parfait. Alors après le VAT, c'est... On va faire ça dimension... Dimensional trans... Oula, oula, oula. Dimension... Dimension... Non... Ah, comme ça. Ok. Alors, ça sert à... Enfin, un Enderman en sous-vial. Ouais. Et ben, on va faire quoi? On va se remettre en easy. Je sais pas s'il faisait nuit. Ok.
Ok, et on est presque à peu près à 10 h du... Okay. Même 8 h, c'est marqué en haut. Dès 92, 8 h. Donc on va attendre que la nuit tombe pour faire ça. Ok, ça c'est cool. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut préparer? La tête d'Enderman avec ça. Ça, je crois que je l'ai quelque part. Dans mon... Là-dedans, je pense. Moi, c'est les têtes d'Enderman. Ouais, j'en ai une. Bon, en fait, c'est celle-là que j'ai choisi tout à l'heure dans la Rewag Bag. Alors, du soul, du silicone, du vibrante. Soul. Silicone. Du vibrante. Et le ça. Et le ça, voilà. Alors, on va le mettre ici. Non, pas ici. J'ai quoi derrière ça? Ok, j'ai un... Donc j'ai ça. Il manque la hache. Axe. Ok, iron. Et des sticks. Je crois que ça me la consume direct parce qu'en fait elle a que 1. Ouais, elle a que 1 durabilité donc ça me dit quick. Alors ça, du Fierce Quartz. Est-ce que j'en ai encore? Non. C'est encore du quartz. En fait, du quartz, j'en ai plus. Comment je pourrais en faire? Quartz essence, comme ça. Est-ce que j'en ai du comme ça? Ouais, j'en ai là. Bah, parfait. Ah, je pensais pas que j'en avais en fait. Alors. Hop, 3. Voilà. Ça commence à... Il va ici. Ça l'attend. Faut juste attendre qu'il fasse nuit en fait. Donc, là, il fait jour. Il est... Ouais. J'espère que ça va arriver assez vite. En plus, faut que je capture l'Enderman, donc ça va être un peu coton. Donc le Soul Ben, on va faire ça en attendant. Un petit moins d'une tête de chaque. J'ai vraiment pas de tête. Et non, c'est id. Ok, non. Merci. Si j'ai une tête de creeper, ouais, mais j'ai pas tout. Ouais, il manque l'Enderman. La tête d'Enderman va être compliquée à choper. Ok, il manque encore ça. Y arriver. Voilà, donc il manque juste la tête d'Enderman. On peut pas la fabriquer. Pourquoi tête, ça marque comme ça? Ça montre que cela, j'en ai pas d'autres. En tête. Pigman. Si, squelette. Ah, des skulls. Ah ouais. Ouais, mais c'est cela donc. Non. La blague. Donc, bah, ça aussi, c'est un peu bloqué. On pourrait se faire le jetpack là. Ah, mais il faut que je me refasse celui-là. Donc, celui-là et celui-là. Pulsating, alors tiens, hop, pulsating. J'en ai pas des masses. Alors, le pulsating, ça, je crois que c'est celui-là. J'en ai que 6. Il m'en faut 12. Ça, c'est de la glowstonique.
Là, c'est quoi ça? Close. Ouais, close. Tony. Electrical et du glowstone. D'accord. Glowstone. Et electrical. Tin, silver, copper, alu. Ah, j'ai pas d'électrical. Mais si, normalement, je l'ai fait électrical le temps. Ah. Je savais bien que je les avais fait quelque part. Donc, il m'en faut combien de ces. Il m'en faut 12. Donc, il me faut plus de glowstone. Hop. Ça avait fait 3 par 3. Ouais, non. Donc. Ça va, j'en ai un peu d'avance. Là, j'attends juste que la nuit tombe. Hein. Pour pouvoir choper un Enderman. Il est 14. 16 h dans le jeu. Et de 12 et de 13, merci. Tac, tac, ok. Donc le push setting, c'est pas possible. Vibrantium, vibrantium, oula, c'est des mots que je connais pas. Alors, c'est. What the fuck? Un village. Un villageois. J'ai pas de villageois. Ceci est un problème. Parce qu'en plus, il m'en faut deux, donc c'est dire que ça, s'il m'en faut un en quatre, donc ça fait 8. Donc ça fait 8 villageois. 8 villageois, donc il m'en faut 4, ça fait 2 stacks de solarium. Je sais même pas si j'ai. Non, je n'ai pas 2 stacks de solarium. Donc, du gold. Hop là. Comme d'habitude, ça me bouffe toujours ça alors que j'y demande du solarium. Je sais même pas à quoi ça sert cette classe. Du vibrante, je pense que je dois avoir. J'en ai 15. C'est pas terrible. C'est pas terrible, plus 5 là. Ah, j'ai du solarium là en plus. J'en ai 14 là. 14 là. Je suis en train de réfléchir. Ouais, non. Pour faire popper un villageois, ça va être compliqué. À part le faire en prendre un œuf de en créatif. En game mode, quoi, je veux dire. Attends, juste vibrante. Jetpack. Il me faut quoi? Il me faut ça. Ouais. Il faut ça, il faut ça, il faut ça, et ça. Ok, je pense que ces choses-là, je vais les refaire hors caméra, ces trucs-là. Parce que ça va être très long.
Bon, il fait nuit. Il doit faire nuit là. Ouais, un Enderman là-bas. Let's go. Vol. On a capturé un au moins. Ouais, Enderman. Ok. Bon, celui-là, il veut m'affronter, tiens, tiens, dans la boboule. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Pas un spider, je crois pas que spider ça va me servir à quelque chose. Un zombie. Parce que je crois que les zombies. Ok. Je crois que les zombies, en fait, ils vont me servir à un truc. Alors c'était ici, non c'était en bas. Non, c'était où? À quoi me servait l'Enderman? On va faire ça, faire ça, faire ça. Ou ça. Ouais, mais il me faut le Soul Bender. Pour faire le Soul Bender, il me faut une tête. Ah, c'était pour le dimensionnal. Alors, dimensionnal. Ouais, il me fallait ça. Et il me faut le soulbender, donc il me faut une tête. Eh ben, allons chasser de la tête. J'ai que sur ça les speeds. Looting. Ok, alors ça va être un peu compliqué. Enderman. Où se caches-tu? Qui tire les flèches? Allez, monte! Ouf! Saloperie d'araignée! Fuyez! Je sais pas si cette tête-là marche. On va y voir. J'ai un coup de chance d'avoir chopé celle-là. Mais ça va foutre ça. Hop! Je sais pas si celle-là fonctionne pour le Soul Bender. Elle est où, là? Ah, elle ne marche pas. Je peux en faire quoi de ça? Oh, rien du tout. Non, c'est vraiment celle-là. Alors, retrouvons des Enderman. Petit, n'ayez pas peur, c'est qu'un coup d'épée. En train de chercher, j'en vois pas. Toi, t'es mort. Loupé. C'est bon, ça a fait respawn un peu de monde ou pas? Non, non. Vous avez pas commencé les squelettes. Et à la fois, vous avez fait un gros trou. Donc moi, c'est Enderman que je cherche. Ça les fait spawn un peu donc en entourant.
Pourquoi il spawn que là et il spawn pas ici? Dans le désert, ça spawn pas. Chelou. Alors, Enderman, s'il te plaît, apparaît. Bah, je crois que ça va être un peu coincé là. Je vais devoir farmer un peu de mon côté. Aïe. Méchant squelette. Méchant. Ouais, parce que là, les spawns d'Enderman, je crois que c'est vraiment rien du tout. Bon bah on fait un petit carnage et puis on pense que je m'arrêterai là parce que faut que je... Oula! Un gangbang d'araignées quoi. Bon bah voilà, il n'y a plus personne. J'ai vu un Enderman. Il faut que je liquide. Dommage. En vrai, c'est compliqué de choper une tête en fait. À l'épée qui a pas looting, c'est chaud patate. Non, non. La saloperie de creeper. Ouais, bon, je pense que là, les Enderman, c'est un peu cuit. Putain, ils nous captent d'assez bas, en fait, les creepers. Ok, ouais, non, donc y a pas. Je vais choper hors caméra, ce sera beaucoup plus simple. Parce que je vais pouvoir en passer des heures dessus sans que ça mange dans la vidéo. Alors, donc ça je vais récupérer. Ouais, mais en fait moi c'est des cœurs en fait que je cherche. Et pour l'instant j'en ai pas. Donc ça, ce cœur là, bah cette tête là ne va pas bien. Elle veut pas. Donc bah tant pis. Alors pour l'instant est-ce que j'ai fait autre chose? Non, toujours lock. Ok. Donc il y aura Epsilon qui sera un peu à faire avec du mecha. Et bon, avec ce que je produis en énergie, je pense que mecha va bien tenir. Ah, je produis 2000. C'est bon, tout va dispawn? Non, pas encore. Je vais chercher l'énergie, l'XP qui est par terre. Tout à l'heure. Donc voilà, donc bah, un peu dommage que j'ai pas de tête de Enderman. Lui a une tête de Creeper, lui. Ça, c'est des zombies qui peuvent ramasser les loot. Avec tout ce qui est par terre, là, je vais me faire plaisir en XP. Et en conneries aussi sur moi, mais bon. Surtout d'XP. Hop. Voilà. On va pas le laisser mourir tout seul, voilà, on va l'aider. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et salut à tous.